Tony, t'as quel âge? 25. Ouais. Retrouvez Squidog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Bon, déjà, comment ça va? Eh, ça va grave bien. C'est vrai? Non. D'autres... Non, parce qu'en fait, je t'explique... J'en ai rien à foutre. Ah, écoute, on va dire la vérité, c'est Majid, ça fait 6 mois, il nous dit, il faut faire une FAQ pour YouTube. Mais il est fatigant. Nous, on a dit, viens, tout le monde s'en fout de la FAQ. Dites-nous si oui ou non, vous vous en foutez de la FAQ ou pas, direct en commentaire, tout de suite. Et il nous a dit, si, c'est vachement bien, il faut faire une FAQ, comme ça, Parce qu'il parle comme ça maintenant. Ouais, c'est... Depuis son opération, il parle comme ça. Donc, on a fait une FAQ, on vous a dit, bah, poser des questions. Première question, Nico Dingo. Ça va. Ça va? Ça va. Ça, c'est facile en tout cas comme. Si c'est ça! Ah ça va, hein, c'est, on devrait pas trop avoir de problème. On va s'en sortir. Ah ouais. Barbara, qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre job d'aujourd'hui? Tout est cool. Ouais. Non mais c'est vrai. Attends, tout ce qu'on fait c'est ouf. Ah non, prendre l'avion et être près des portes de sortie. Eh voilà. Ça, prendre l'avion. Ça en c'est vrai. Moche ça. Oui, on le sait, on a un peu peur de l'avion, tout ça. Mais vraiment, c'est pas bien de nous mettre à côté de la porte. Sans déconner. Assis à côté de la sortie de secours, je sais pas si vous avez l'habitude. Pas du tout. Non. Bon, alors vous allez regarder mes petits dessins parce que vous vous apprendre comment on ouvre une issue de secours. Ah. Moi je préfère pas l'ouvrir. Hein. Alors, faut changer de siège. Non, il faut mieux pas avoir à l'ouvrir, non. Oui, ça c'est vrai, il fait par contre. En plus, ils nous mettent tout le temps à des places sous le moteur et tout. Enfin, sur le moteur, enfin, à côté du moteur, sous le moteur, c'est abusé. Ça veut dire que nous, le moindre bruit, on le connaît. On est mieux que le pilote. Ah oui, bon, on connaît le nombre de places qu'il y a dans l'avion exactement. On connaît quel avion on prend, le modèle qu'on prend. Le type de moteur. Le type de moteur, exactement. C'est vrai, on est un peu taré là-dessus. Ah, si vous êtes un peu phobique de l'avion, venez pas avec nous. Hein. Ah ouais, non. Parce que là, chaque bruit, il est décrypté. Donc, c'est un enfer. Julie. Que deviennent les épisodes de Chien Incompris? Ils sont sur un disque dur. Non, en vrai, la vérité, on a pris beaucoup de retard parce qu'on a eu beaucoup de tournages ces derniers temps. Ouais. Et résultat, on a pris tellement de retard sur le montage que là, en fait, on fait dans l'ordre de priorité. Apparemment, c'est la FAQ la priorité, plus que les Chiens Incompris. Elsa, à quand Esprit 4? L'enfer. Oh non. L'enfer. Les chats, ils dominent le monde. Les chats sont meilleurs que nous. Bien sûr. C'est eux, un jour, ils vont faire Esprit 4. Bien sûr. Les chats, ils vont apprendre à coder et tout ça. Ils vont bien le faire. Au-dessus des chiens. Bien sûr. Les chats. Génies. Bien sûr, le chat. Le chat, c'est un héros, le chat pour moi. Tout compris, le chat. Le chat, il monte là où il veut, il fait ce qu'il veut. Il veut des câlins. Tu lui fais des câlins. Tu arrives pour lui faire un câlin. Il dit non, j'en veux pas. Tu dis d'accord, c'est un chat. C'est le meilleur. Il vient réclamer à manger à table. Tu dis. Et tout est mignon. Ouais, c'est ça. Même quand tu veux faire le gars, tu sais, le. Eh, c'est bon, on passe sur la table. Hein. Mais il y en a toujours un qui va dire. Bien sûr. Les chats, ils ont tout compris. Ils sont trop forts. Les chats, ils sont trop forts. Ils n'ont pas besoin d'Esprit 4. Par contre, toi, t'as essayé de faire des assis couchés avec tes chats. J'ai appris des trucs. Mais par contre, je les maîtrise pas. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Mais je leur ai appris. D'accord. D'où vient l'idée d'Esprit Dog, Elsa? La boîte ou le nom? Ah, le nom. Le nom, ça a été quelque chose. Hein. Ah, le nom, c'est incroyable. Du brainstorming. Et la meilleure, c'est des études américaines qu'on a commandées sur des noms pour être sûr d'avoir le nom le plus impactant. Bon, la vérité, c'est qu'on avait trouvé un autre nom, Dresser son chien comme les pros, qui était pété. Qui a existé, hein, le pire, c'est qu'on l'a mis. Hein. Au début, ça s'appelait comme ça, d'ailleurs. Nous, on s'est dit, c'est des génies. Dans les formations, des fois, il y a encore le petit logo. C'était horrible, c'était nul. Donc, on a dit, on va changer. On voulait un nom anglais, on voulait un truc anglais à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Mais nous, on connaît pas grand chose à l'anglais. Bah, dog, donc, on a pris Dog. Voilà. Et puis, voilà, et puis, alors, ça s'est fait. Et vraiment, pourquoi esprit L'état d'esprit. Je crois qu'on a mis Dog. On l'a jeté. Et après, on a mis des mots. Et puis à un moment, on a dit « Ah, Esprit Dog !» Et pam, on se prend pas trop la tête. Non, ça vous en êtes rendu compte quand même. Ouais. On se prend pas trop la tête. Bah, formation chiot, c'est Esprit Dog chiot. Formation prévention morsure, c'est Esprit Dog prévention morsure. Mais il y en a qui se font chier. Hein. Par exemple, le programme qu'on avait fait avec des bénévoles qui venaient, on l'a appelé les bénévoles. Les bénévoles. Programme d'aventure, aventure dog, panique dog, c'est vrai crevé. Qu'on se casse pas le cul du tout. La DAC pool. Placement rémunéré, d'accord, dans les questions en fait il n'y a même plus de verbe, il n'y a plus rien à foutre en fait. Y a vraiment, ok, on va être très simple là-dessus. Est-ce qu'on a envie de devenir des panneaux publicitaires? Non. Est-ce que par contre, il peut y avoir un sponsor, un partenaire? Ah oui. Ça, bien sûr. Regardez dans la gueule,
tous les cadeaux qu'on vous fait gagner, bah en fait on a des partenaires et c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes. Et à chaque fois on leur dit la même chose. Ah oui, oui. On leur dit il n'y a pas de souci pour tester le produit, il n'y a pas de souci pour en parler. Le seul truc où il y a un souci, c'est quand vous nous demandez de lire un texte et que nous on vous dit bah non, parce que si c'est de la merde, on va leur dire que c'est de la merde. Donc envoyez-nous l'objet et si vous êtes sûr de vous, eh ben on fait une vidéo où on teste l'objet parce que ça peut être cool pour vous. Mais par contre, on dit ce qu'on veut. Et là, ils en voient plus. Et là, ça coince. Ils en voient plus du tout. Donc, et vu qu'on veut pas être payé pour faire ça. Des partenaires, des sponsors. Non, mais ça, c'est pas pareil. Ouais. On n'est pas un panneau de pub et on ment pas. Et on ment pas surtout. Vous dites plus souvent je t'aime à vos femmes ou à vos chiens? Ah, nos chiens, frérot. Moi, maintenant, je le dis plus à. Ça va faire grave. Mais je le dis plus à mon fils, moi, maintenant. Bah, c'est normal. C'est lui qui a pris le pas. Hein. Parce que c'est tout nouveau. Ouais, c'est pour ça, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Dans un an, c'est mort. Ouais, Paco. Le moment le plus marquant du salon pour vous? Franchement, si moi j'en... Ah, si le plus marquant, parce que c'était le plus inattendu, c'est quand je vois la queue devant la porte au moment de l'ouverture. Parce qu'après des moments fous en termes d'émotion, tout ça, il y en a des plus forts. Hein. Mais le moment où je me suis dit, wow, pour la première fois, c'est ce moment-là. Il y a le moment, la première montée sur scène. Et où tu te dis, attends, mais je comprends pas trop ce qui se passe et on n'était pas prêt à ça. Ouais. Et ça, c'est lourd. Ouais. Et ça, c'est je pense très, que c'est ça, ouais. Très cool. Très lourd. Au fait, c'est quoi cool. les défauts de vos chiens? Forcément, ils en ont. Ah oui. Alors, c'est facile. Alors, moi, pour Laïka, elle a la capacité de simuler l'otite. C'est-à-dire, tu sais, le chien où tu lui parles, il est à 50 cm des fois de toi. Rien bouge, sauf que il suffit que tu prononces un mot comme par exemple « on va manger », là elle te fait un demi-tour, un salto, elle arrive en courant, elle te regarde, les yeux ils sont comme ça. Marley, moi c'est le même, hein, pour le coup. Ah ouais, Marley c'est le même. Deux... On appelle ça un défaut, maintenant moi ça me fait vraiment rire. Et c'est pour ça que ça reste un défaut entre guillemets, c'est parce qu'on les a acceptés. Ouais, c'est sinon, cool. Sinon, se régler, ça se règle, mais on n'a pas envie de les régler. Moi Raya, des fois elle me reconnaît pas. Et des fois elle est folle. Des fois je suis dans le salon avec elle, je lui fais un câlin, ça va, bon allez je dois partir au boulot, je sais pas, je monte, je mets une casquette, je sors de ma chambre, elle me voit arriver, bouh, tu sais, en mode qu'est-ce que tu fais là toi dans ma maison? Bah non mais c'est moi. Ah ouais c'est bon c'est toi. Bon c'est un petit problème. T'as une vie dure. Ouais, j'avoue qu'elle me reconnaît pas. T'as une vie c'est dur hein, ça. T'as une vie compliquée quand même. Otisset Saxa, votre pop portrait. Un film, une série, une chanson. Rocky. Fils de pute. Pourquoi tu juges Rocky? Oh le cliché total. Mais lui c'est un fou. Lui il juge mes films. C'est-à-dire en fait c'est mon film. Genre. Le cliché. Genre il est même pas. Ouais, Scarface. Non mais. Putain, mais t'es sérieux? Oh ouais, Terminator. Robocop. Ouais, parce qu'il a pas le sens profond des choses. Non, bah non, moi j'allais dire la cité de la peur, alors autant dire que. Ah, j'avoue. OSS. OSS 117, tiens. Voilà. Non, mais sinon après, je peux te faire un. Danse avec les loups. Voilà, tu vois, je peux le faire aussi, ça. Non, Rocky. Ouais. Une série. Ah, je vais faire grave pas. Ouais, mais alors, je vais vraiment pas faire original, mais Casa des Papel. Là, ah, Casa des Papel, ouais, lourd. C'est lourd. Pas du tout original. Hein. Non, non, j'aimerais bien. C'est... Ouais, les Sopranos. Non, bah non, en fait, mais non. Non, j'avoue que la casa, vous allez nous insulter. Ah, mais, la casa, c'est lourd. Non, il y a MacGyver à l'époque. MacGyver, moi, j'ai grandi avec MacGyver. MacGyver, il prend une télécommande. Il fait bombe nucléaire. Et c'est un ouf. C'est, non, il était fou. MacGyver. À l'ancienne, hein, pas les nouveaux, là. MacGyver d'il y a 30 ans. Ouais, et quand on part en déloc, l'agence touriste. Voilà. Et une chanson. Ah, si, moi j'en ai une. Pitbull de Booba. Pitbull, meilleure chanson de Booba. Pour moi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est une chanson de tout. Et le Zizi de Pierre Perret aussi. Ah putain. Pour faire la bascule. Ouais, voilà, normal. C'est vrai. Moi, ça va être Goldman. Hein. Ah, le gars, il veut faire le daron. Bah ouais, mais. C'est, il veut faire le mec, là. Il changeait la vie, Goldman. Voilà, mon petit. Non, peur de rien, blues. Peur de rien, blues, Goldman. Ah. Oh l'enfoiré. Dites en commentaire. Oh là, je vous ferai écouter ce qu'il écoute dans la voiture. Ah non, pas. Mais bien sûr. Ne vous inquiétez pas, parce que Goldman, ça fait belle lurette qu'il n'est pas passé dans la bagnole. Hein. Si, dans l'avion, moi, je l'écoute. Lucille, qu'est-ce que vous mijotez? Ouah, allez, Lucille, on mijote des trucs sales là, en ce moment. Une petite ratatouille. Là, c'est ce qu'est en train de mijoter, tranquillement. Voilà, on fait une ratatouille de plein de trucs. Et il y a un truc qu'on fait pas. C'était la woofrun.
Alors on va être okay. très clair. Bon, très et bien, allons, Lucie, allons dessus alors. Hein. On va pas mentir. Hein. Ah bah non, bah alors. C'est eux qui nous ont contactés. Ils voulaient qu'on fasse avec eux plein de trucs, l'animation, toutes les conneries, etc. Et on a dit super cool. Lourd. Ouais. On prend. Et les gars étaient très sympas en plus. Sauf que comme ils font aussi de la politique, tu sais, il y a des éducateurs qui y vont, il y a des trucs comme ça là-bas. Bon, je suppose qu'ils ont tous commencé. Les éducateurs ont dit non, ouais, on veut pas d'eux, machin. Et nous, comment, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, à la fin, ils respectent pas leurs engagements, ils répondent pas aux mails. Bah, tout ce qu'on devait faire, au final, on le fait plus. Ils nous ont mis sur un terrain à 200 mètres du truc en disant oh, vous avez quand même un terrain. On a dit bah non. Nous, on vient pour rigoler, pour s'amuser avec les gens, pour faire des cours, pour machin, enfin, bon, comme d'hab, quoi. Les gens, ils sont en mode, faut pas répondre aux gens, faut pas les aider, faut pas machin, ah, tu sais, ouais, parce que... Si ils nous ont dit, par contre, il y aura le pôle éducation, mais vous n'êtes pas dedans, hein, parce que sinon, ça crée des problèmes nous, avec les autres. Nous, on était à la piscine. Nous, on était à la pool party. Nous, on a dit oui direct, hein. Mais en plus, on était contents, hein. Ah, nous, on leur a dit, on prend la piscine, mais si les gens, ils vont nous poser des questions. Donc, on va bien... répondre quand même. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà. Salem. Existe-t-il une liste des éducateurs certifiés sortis de votre formation? Non. Non. Voilà. Merci Salem. Non, il n'en existe pas. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps pour être très bon. Il faut du temps. Il faut pratiquer. Il faut faire beaucoup de choses. Moi, je suis incapable de faire confiance à distance. C'est très compliqué. Il faut des années. Pour que je puisse dire de quelqu'un, c'est bon, on peut lui envoyer un chien, il faut des années. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas s'en occuper avant. Ça veut dire que moi, personnellement, pour être sûr à 100%, c'est une tanasse. Donc, ça veut dire que dans les 10 prochaines années, peut-être que ça existera, peut-être que ça arrivera. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on a une éducatrice, par exemple, sur qui on envoie beaucoup de personnes, mais parce qu'elle est venue il y a 3 ans et elle est revenue 2 fois en formation. Et enfin, elle taffe, et on sait comment elle taffe, et là, on en et on, voilà, il se passe des choses. Si on veut, on certifie, c'est pas le problème, hein. Mais on ferait ça que pour l'oseille. Ouais, c'est ça. Voilà, non, mais c'est clair et net. Non, c'est clair. Et ça, on se le refuse. Ça, c'est non. Non, c'est non. Maxime! Pour qui les filles craquent le plus? Qui est le plus fort au bras de fer? Qui est le plus fort au bras de fer? Frérot, tu demandes vraiment? Culé, il a des bras, c'est mes cuisses. Arrête. Ça, c'est une question, c'est juste pour m'humilier, Maxime. Ça, c'est pas mal. Et pour qui les filles craquent le plus? Pour aucun. Parce qu'on veut pas de pas de problème. Pas de soucis, nous. Voilà. Pour personne. Light Aventure. Qui gagne à la meilleure blague? Putain, en blague, et... En blague, c'est dur, les blagues. Les blagues à raconter, ouais, souvent, c'est vraiment pas bon. Hein. C'est dur, les blagues. C'est vraiment pas bon. Donc, je préfère... Je pense que c'est lui. Non, c'est lui, parce que là, franchement, les blagues... Oh putain, j'en ai... Je fais pas... Attends, ça, c'est pas possible. Il faut que j'en trouve une autre. C'est quoi, sur Lizzie? Bah ouais. Ah ouais, bah c'est ça le problème. C'est le problème. Parce que les trois quarts des blagues qu'on pourrait sortir, c'est le Zizi ou c'est un truc sale. Bah, par exemple, tu vois, je te raconte une blague. Allez, raconte-moi une blague. Vraiment, je suis pas le meilleur raconteur de blagues. Hein. C'est un daron, il est avec sa petite fille dans la voiture, puis il conduit, tu vois. Ah non, pardon, bah ça commence même pas. Oh l'enfer! Ça commence même pas par là. Pardon, c'est un mec qui est en train de conduire. Dans la voiture avec sa petite fille. Non, non, non. Il est en train de conduire une meuf. Bon, bref. Et là, t'as la meuf du mec qui rentre dans l'appart. En gros, il l'a trompé, tu vois. Elle fait ouais! Tu fais quoi avec cette pute, machin? Elle prend un couteau, elle lui coupe la tub et elle la jette par la fenêtre. Voilà, comme ça tu meurs, machin. Et donc là, il y a un mec qui est avec sa petite fille en train de conduire et la tub, bam, elle s'écrase contre le pare-brise. Et la petite fille, elle fait c'est quoi ça, papa? Ah, le gars, il est en mode putain, bah c'est un moustique. Elle dit ah, mais il est gros le moustique. Bah oui, il est gros le moustique. Mais t'es sûr que c'est un moustique? Bah oui, c'est un moustique. Ah bah dis donc, il a une sacrée grosse bite le moustique. Voilà. Merci. Voilà. Sixtine. Est-ce qu'un jour, Esprit Dog aura sa mascotte humaine? Ah, comme dans les stades, genre? Le gars qui se met en footix, oui, à l'époque, là? Oui, dans pas longtemps, d'ailleurs. Dans pas longtemps, elle l'aura, vous la verrez sur Paris, la mascotte d'Esprit Dog. Ah oui? Ouais. Ouais, c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. On peut pas en dire plus. Ah oui, c'est vrai. On dit pas plus. Non, mais... C'est juste, vous allez la voir dans Paris, et évidemment, on vous le diffusera. Bien sûr, mais dans les quelques mois qui viennent... Ça va venir. Il y aura la mascotte humaine Esprit Dog. C'est vrai. Comics, à quand un projet en Belgique? Ah, peut-être bientôt. Ou peut-être pas. Voilà. C'est pas une question, ça. Sophie, des nouveaux projets? Oui. Oui. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais on peut pas dire encore. Mais on va en parler. Mais bientôt, on en parle. Étoile. Est-ce que Tony met des shorts et des tongs? Jamais. Il a... Mais jamais. Écoute, ça, c'est un truc de ouf. Merci. Merci d'apporter...
Tous les jours, je lui dis, il fait 40 degrés, comme partout dans le monde, mais en Espagne, ça dure en plus 4 mois. Il est tout le temps avec ses pantalons là, comme ça, et ses baskets. Je lui dis, mais mets un short. Non, pour l'instant, c'est non. Écoute, mais c'est... tu sais que le virage viendra. Le virage va venir, tu vois. Je me modernise, on va dire, tu vois. Ah ouais, hein, en 3 ans, en vrai, hey, même les pompes, hein. Pompe, les pompes, il y a 3 ans, t'avais une paire de pompes, tu voulais rien d'autre. Ah, ça va tout doucement. Mais voilà, pas short, trop. Short, l'été prochain. Je mise sur l'été prochain. Par contre, il a pas chaud. Si, et en ce moment, d'ailleurs, il sue beaucoup du cul. Putain, je transpire du cul. Non, mais c'est vrai. Eh, hey, non, mais. Quel beau frise total. Eh hey, Carmen, remets-nous de petits jaunes en même temps, là. Pendant qu'on fait conneries de vidéo, là, remets-nous de pastis. Non, ah, mais c'est vache. Vrai. Hein. Hey, c'est vrai, en ce moment, ouais. Bah, c'est normal, du boule. Hein. Bah, ouais, mais bon. C'est un délire. En même temps, il est tout enfermé, le pauvre. Ouais, mais j'ai que le boule qui transpire. Ouais, mais fais-le. Aère-le. Aère-boule. Aère-boule. Mes poilus, avez-vous déjà eu une grosse prise de tête? Entre nous? Parce que pour moi, une grosse prise de tête, c'était fâché après. Non, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Fâché, jamais arrivé. Des prises de tête? Bien sûr, tout le temps. Ah, et tant mieux. Mais c'est normal. Un, il pense qu'une idée, elle est bonne. L'autre, il pense qu'elle est pas bonne. Et alors après, c'est une bataille pour arriver à un produit final qui soit bon. Ouais. Mais c'est des prises de tête d'idées, pas genre de personnes ou voilà. Mais ça nous arrive tout le temps, genre sur un programme. Sur un programme, ah, oui. un il va dire ouais non il faut ça, l'autre il va dire non ça surtout pas. Et puis alors là, on va se prendre la tête. Mais on va se prendre la tête genre en mode discussion, débat, tu vois. Oui, non. Après, non, mais il n'y a pas de grosse prise de tête, non. Valérie, s'il était possible de reprendre à zéro Esprit Dog, quels seraient les changements? Bah déjà, d'appeler ça Esprit Dog. Et pas dresser son chien comme les pros. En vrai, ouais, la façon dont c'est tourné et l'habillage de Family. Et ma gueule dans Family et dans Chiot. Ouais, et dans mais sauf que... Ma gueule. Oui, et... non, mais je suis d'accord, mais là, c'est s'il... On dirait un épouvantail. Non, c'est juste de... Tu comptais encore sur tes vœux, je vois. Ah, sinon, moi, je fais rien de différent. Bah, franchement, moi, de différent, non. Parce que là, je te dirais, bah oui, les vidéos, on aurait pu mieux les monter, tout ça, mais parce que maintenant, on sait faire. Bah, si on parle pas de ça, on change rien. Tu vois, qu'est-ce qu'on va faire? Si je te dis, dresser son chien comme les pros. Hérite. Avez-vous déjà fait un panic dog ou autre, malgré que le courant ne soit pas bien passé? Je me rappelle d'un où le maître, la maîtresse plutôt même, à un moment donné, t'as envie de lui dire, tu veux qu'il soit pas bien, ton chien, tu veux que ton chien soit euthanasié, mais je peux pas, moi. Je peux pas parce que t'as vu, il a rien. C'était un panic dog où on lui a présenté tout ce qui existe. Oui, bien sûr, je me demandais. Oui, il est vieux. Bon, voilà, En vrai, elle cherchait les problèmes. Et sauf que. Alors que le chien avait pas vraiment les problèmes, donc bah, j'allais les trouver, les problèmes. Oui. Et puis il n'y avait pas de problème. Et puis alors, des fois, on le réglait très vite. Non. Et ainsi de suite. Oui. Et sauf qu'à la fin de la fin de la fin, tu sais, quand on t'a demandé de faire arriver une soucoupe volante, un machin, un truc. Ouais, et tu dis, bah, t'as vu, c'est fini. Et bah, le sent dans l'épisode, hein, qu'il y a un truc qui... Et tu sens que, bah oui, elle peut rien dire, mais limite ça la fait ça chier. Ça la fait chier que son chien soit bien. Soit pas méchant. Ouais, c'est ça. Et bah oui, mais sauf que bah, on n'est pas là pour mentir, on est là pour aider. Et tant mieux. On va pas mettre des coups de pelle sur la tête du chien pour qu'il est agressif. Hein. Et une autre information qui était le même problème. Pire. Ouais, enfin qui était pire. Pire. Ouais, qui était bien pire. Ouais, ouais. Et ça sortira pas, on le sortira pas en chien incompris. Parce qu'on veut pas afficher la personne non plus, on n'est pas là pour ça. Non, alors qu'on non. On pourrait faire un exemple. Hein, de voilà. En gros, et ça va être très simple. Ne venez pas si vous voulez entendre, pique-le. Ah oui, parce que. Mais quand quelqu'un arrive en disant bah il faut le piquer, hein, et qu'on lui dit non. Ou faut l'abandonner, ou faut l'abandonner. Et qu'on lui montre. Qu'il n'y a pas de soucis. Plus de mots à la fin parce qu'en fait, bah, son chien, il peut vivre tout à fait normalement. Ouais. Il avait besoin d'être éduqué, ça, c'est pas la question. Oui, il peut vivre normalement. Et bah. Elle était pas contente. Elle était pas contente parce qu'on lui avait pas. On lui avait pas enlevé le côté sentimental. En gros, c'est le genre de lâche qui a envie de tuer son chien, mais qui veut pas que ça. Qui attend l'approbation. Et bah, va te faire foutre. Ouais, ouais. Julie, Rome veut-il devenir éducateur canin un jour? Tu veux que je réponde à ta place? Non, je veux pas devenir éducateur canin au sens. Avoir des responsabilités. Non. J'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Très bien. Non, au sens avoir ma boîte d'éducation canine. Non, mais parce que éducateur canin, donc 99% du temps, en fait. Non, c'est mais là, chez Esprit Dog. Chez Esprit Dog, je serai jamais le deuxième éducateur canin d'Esprit Dog. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. S'il y a un deuxième, un jour, éducateur canin, Esprit Dog, c'est quelqu'un qu'on aura recruté qui est éducateur canin ou qui. Voilà. Mais je serai jamais le deuxième éducateur canin d'Esprit Dog. Et en plus, je veux pas cette place. Maintenant que j'aille un peu plus vers les chiens avec toi et tout ça, si, ouais, ça m'intéresse. Moi, j'ai tellement vu, parce que moi, je viens pas du chien, j'ai tellement vu, grâce à Esprit Dog, les dérives qu'entraînent des gens qui touchent des chiens
alors qu'ils savent pas faire, que j'avoue que je suis frileux, j'ai peur de faire des conneries, moi, vraiment. Mais je limite, ça m'a un peu terrorisé. Tiens, les lumières qui s'éteignent. Après, je vais pas vous mentir, il me manque à la base deux assistants. Aujourd'hui, il y a son père, il n'y a plus personne, d'accord, pour x ou y raison. Et on s'est beaucoup interrogé, on s'est beaucoup posé la question de qu'est-ce qu'on fait. On a décidé que sur la prochaine formation, et on va voir ce que ça donne. C'est Rome qui va être à côté de moi, qui va assister, qui va donner un coup de main, bah, vu qu'il a fait. Oui, toutes les formations. Ah, pour les coups, la théorie, je la connais. Hein. Et puis, on a tourné tous les trucs. Enfin, oui, non, c'est sûr qu'en termes de connaissances. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question. Mais c'était une vraie question. Est-ce qu'on reste en interne? Est-ce que les gens, par exemple, avec lesquels on travaille depuis très longtemps, sont pas parfois plus performants que la plupart des gens qui sont passés éducateurs, ouais. Éducateurs, je parle. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, quand on tire ces conclusions-là, on s'est dit, on va la tenter comme ça, on va voir. Si, et puis on voit si ça nous plaît aussi de travailler comme ça ou pas. Hein, parce que... Mais en attendant de trouver. Si on trouve une perle rare qui revient, on sera très heureux. Hein. Cécile, comment pécho avec son chien? Déjà, faut avoir pas qu'il soit... chien sympa. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Faut pas qu'il soit agressif déjà, voilà. Sinon c'est chiant. Sinon tu chopes, mais tu chopes autrement. C'est quoi. Ça. C'est pas pareil quoi. Il faut avoir un chien sympa. Et il faut avoir un chiot. Et tu veux vraiment pécho avec un chien, il faut un chiot. Ouais, petit chiot. Avec un petit chiot, si t'es grave chum. Non, bah oui, pécho faut faire un effort. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais fais un effort. Voilà, c'est ça que je voulais Après, dire. Après, l'effet chiot marche. Hein. L'effet chum, il marche aussi. Hein. Léna, peur des serpents, de prendre l'avion, beaucoup de points communs. Tony et Rome, dis donc, bah oui. On essaye de lutter contre ça. Parce que même si on a peur, on le fait quand même. Oui, on prend l'avion et on a touché les serpents l'autre fois avec les pompiers. Tu vois? C'était rigolo. Rigolo. Après coup, ouais. Franchement, c'est bien marré après coup. Tellement poisson. Est-ce que votre coiffeur barbier a l'audace de faire payer une coupe de cheveux à Tony? C'est vrai que je crois que tu me payes 3 balles de plus que moi, je crois, en vrai. Parce que moi, il ne fait pas... Il a le manque de respect de me faire payer. Tout à de fait. De faire payer le rien. Le néant. Le néant. Tiens, tu veux un truc gratuit de l'air? Paye. C'est vrai. Mais ils sont très sympas. Ouais. Ouais, ils aiment bien. Bon. Tony, t'as quel âge? 25. Ouais. Vous êtes des fous les deux. C'est fini la FAQ. Bon, c'était cool. On se le refait l'année prochaine. Déjà, Majid est heureux à partir de ce moment-là. Et ça, ça nous rend heureux. Là, il sent mieux. Là. Voilà, ça y est. Il va arrêter de nous dire toutes les semaines qu'il faut faire une FAQ. Et en plus, bah, dites-nous quand même si c'était cool ou pas pour vous. Et savoir si on refait ça. Mais tranquille, hein, on refera ça. Et ça va nous permettre de savoir si Mad a des bonnes idées. Voilà. Comme ça, on va voir. Voilà. Hein. Allez, salut. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.